numéro 2. Elle est entendue. Numéro 3. Alors celle-là, on a dit que je la mettrais quand on serait un peu plus aligné quand même. Voilà. Alors, synchro caméra 1, 2, 3. De 1 pour l'audio. Maintenant, le voyant rouge est allumé. Et le chrono est lancé à 10 secondes. On va se la faire comme dans Apollo 11. Disait pas un truc comme la pendule est partie ou un truc comme ça? Apollo 11. Enfin, dans les départs des fusées. Ah, le compte à rebours. Non, j'ai annoncé qu'à zéro, quand ça part, ils disent nous avons un lancement. Je sais plus, il y avait un truc qui avait démarré au décompteur. Non. Voilà. Ah, c'est nous avons un lancement. Voilà. On est décontraste. Alors, l'horamètre 664. 49. Ouais. Bon, monsieur Jean-Luc, on est prêt à revenir? Bah, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Allez, on dit au revoir à Thierry. Pour rentrer. Donc, après la mise en route, on n'y est pas. La visite prévol est effectuée. La barre de traction, l'horamètre, je viens de le noter. Les documents, le siège, les freins de parc. Il n'y en a toujours pas. Les volets sont rentrés en butée symétrique. Le sélecteur d'essence, il est ouvert. La réchauffe carbu poussée, verrouillée. Mixture, tout est off. Le Vionic Master, les disjoncteurs, ils sont OK. Contact batterie. On a à nouveau le plein. Les alarmes sont testées. Tiens, il commence à pleuvoir. Balise de détresse, anti-colle, verrière allumée, ceinture non attachée, moteur froid. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a ça, on a ça, on a les magnétos. Il n'y a personne devant. On a la pompe. Je disais, la charge, elle monte dans le vert, elle est bien montée dans le vert. Proxima, c'est dégagé. Eh ben, s'il y a un doute, c'est ça. Proxima, c'est Proxima. Elle était à la bordure rouge-vert, tu sais, j'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, là? Bon, il n'y a pas de voyant d'allumé. Tout va bien. Alors là, il faut que je pense à mettre le carbu. Alors, ça m'a échappé, je suis en attente. Cantilo bilou. C'est bon. Alors on fait continue. On a pour moi on a mis 140 litres. Pas tout à fait le plein complet derrière. Pour que. Mise en route, charge à l'heure, donc ça sera transfert carburant, pompe off, bonne navigation. Je mets tout. Le flow vérifié radio a-t-il
On n'a pas, on va prendre les paramètres. On était au barreau à 1016, on est toujours à 1016, 680. À mon avis, on fait ça. Hein. Ça nous file. Proximo, pas trop guidé. Proximo, plus tard, Philippe. Salut, c'est top. Ceinture harnais attachée. Bien, ça sert l'essence avant le. Avant ah, la bah, ouais, route, hein. C'est sûr. Hein? Dans ce harnais. Bon. Et voilà. Alors la première route, je vais même pas l'indiquer parce que de toute façon elle est complètement fausse. Voilà. Place frein gauche. En contact. Active le plan de vol peut-être. Ah oui, t'as raison. Ben, je vais prendre de toute façon le premier plan de vol, ça sera FOK. De toute manière entre les deux il n'y a pas de. Pas vraiment. Ensuite on aura. Ah t'as fait deux plans de vol? Ouais, parce que moi tu m'en as envoyé qu'un seul. Non, non, je t'en ai envoyé le deuxième. Ouais, j'en ai envoyé deux hier. Ah, mais là, ah oui, tu ne l'avais pas rentré en fait le. Ah non, pas, non, pas ouais, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ok. Deux. Voilà. Très bien. Le moteur chauffe. Hein. Bon, voyez tranquillement. Voilà, LFSN, LFPL, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc toute la première partie, en fait, on ne suit pas le plan de vol. On fait ça, rien tech. Quand on est sur écho, on suit le plan de vol. D'accord. L'ancien fou du Fox, avant Olimaro, bonjour. Novembre Olimaro, bonjour, monsieur. Donc l'ancien fou, le Fox Golf, novembre Olimaro, DR4 Fort, deux personnes à bord au parking club. Demandons les paramètres pour un vol, le retour à destination de l'Oignon. C'est noté monsieur, vous avez la piste 21, 200 degrés pour 10 nœuds, QNH 1017, rappelez prêt en bravo. C'est noté, la piste 21, on rappelle bravo avec une fois les essais moteurs en dernier. En milieu de piste non, non, on va remonter la piste. Ah voilà, remonter, ah, ouais, d'accord. Toujours. Alors on fait un essai. Ça fonctionne. À gauche. Suivre la ligne jaune. Alors par contre l'avion jaune il est où là? Je sais pas. Là, il est là-bas. Allez, on fait le plein. Ouais. Encore à voir les petits hommes tombés du ciel. Non, ils sont déjà tombés, je crois. Ben, quand l'avion il arrive en général. Ah mais là depuis le temps qu'il est arrivé. Ah ouais, c'est pas faux. Donc on salue la tour. Alors la tour, la FIS, c'est bon? Ouais, parce que là, c'est pas un contrôleur, là. Non, agent AFIS. Il doit y avoir un AFIS parce qu'il y a l'activité là, je pense. Sans doute, ouais.
vu là-bas, il y a un vent. Ici un vent de face et là-bas il y a un vent légèrement de traviole. Ouais, effectivement, ouais. Après il y a une autre raison de remonter la piste au-delà de la sécurité, c'est qu'on est dans une zone qui est quand même pas mal urbaine. Donc, ouais. En fait, il faut grimper de 1000 pieds avant d'entamer le moindre virage. D'accord. Ok. NH 1016, il... Bon, ben alors, il est 16, hein. Ok, alors, les essais moteurs, on reste dans l'axe, tiens vas-y, les deux pieds s'il te plaît aussi. Retire les pieds. Ah, le pas de détonation, tout va bien. 1200. Bon, alors. On va fermer la verrière. Le frein de parc non concerné. Magnéto sens sur bosse. Batterie alternateur sur on. La charge. Bien dans le vert, même position que ce matin, le réchauffe carburant est verrouillé, BQR elle est toujours en haut, limiteur d'essence ouvert, transfert carburant il est poussé, autonomie, je crois qu'on est bon, on a une heure, donc il faut qu'on soit posé à 20h. Ça repart pour la tour. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu peux me donner la vitesse du vent et les pointes en rafale s'il te plaît? Là, alors, Météo France me donne du 12 nœuds en continu, j'ai pas les rafales, ça dure pas assez longtemps, et donc le secteur c'est secteur 200. Merci beaucoup. Bon, droite, avant, non, on avance plus. Les commandes, le compensateur. Le décollage, harnais, ceinture, tout le monde est attaché, le volet à gauche, le voyant au centre et à droite, pompe, fermé, éjecteur en place, pression est bonne, distance, approche du vert, on y sera dans pas longtemps, briefing décollage. Donc on décolle sur la 21, on grimpe, on cherche à s'élever le plus vite possible. Donc en gros on va atteindre la hauteur du tour de piste avant d'être en bout de ligne. Donc on suit le circuit, on continuera à monter au-dessus de l'avant arrière puisqu'on va s'échapper par l'avant arrière en montant vers le nord. Avec une trajectoire comme étant celle-ci. En gros là on passe ici, le patelin qu'on a vu là-bas. On va nord-nord-ouest, c'est 330-340. Et on va chercher le point écho ici, on devrait le repérer sans problème en principe. On aura la grande antenne de LFEZ, toujours sur notre gauche. On va chercher la Moselle pour partir pour une première route. On aura donc écho 255. Ça c'est le briefing, donc on monte à 1800 pieds. 2300. Vitesse de rotation, tiens je l'ai pas dit. Vitesse de rotation 54, montée L70. Normal 80. En cas de panne, on rentre quoi que ce soit avant la rotation, on freine, on sort, on prévient. En cas de panne, après la rotation, on monte pour le piste, main gauche. On vient se reposer sur la 21 comme tout à l'heure. En cas de panne majeure après la rotation, on fait un atterrissage d'urgence sur la piste. Vu le vitesse de planer 73,2 avec un BD, BD. Voilà. Là, je le garde sous le coude. La température elle passe dans le vert donc on est bien.
Au début j'aimais pas, finalement j'ai... Tu le laisses comme ça lui? À lui. Oui t'as raison. Ah non, je pourrais le mettre au moment du décollage, c'est plus sympa parce qu'on va remonter la piste et tout là. Ok, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lancer ça. Alors on va monopoliser au minimum. Quand tu veux, tu démarres. La pop casse. Oh. Alors. Bon, ben, il ne peut pas démarrer. Bon. Mais 203. On... Très bien. Bon, il ne veut pas démarrer. La caméra fonctionne, ma tête, tout va bien. Oui. L'ancien fou du Fox Novembre Lima, bravo, je suis prêt. Novembre Lima, 190 pour 10 pour la remontée de l'alignement. Annoncé décollage 21. Je remonte la 21, je rappelle le point décollé. On a du vent de droite. Allez là, remontez la piste là. Ah ouais, là t'as de quoi faire. Ah, c'est à Valenciennes aussi que ça remonte un peu. C'est possible, je me rappelle plus. Possible. On est franchement dans le vert, donc c'est bien. Tous les voyants sont verts. Est dans le dos, j'ai le manche en avant. Alors, tu vois le pain de sucre, je pense que c'est bon parce que sinon on va s'arrêter là. Ah, je freine aussi un petit peu, ne serait-ce qu'un temps soit peu. Non, je devais freiner tout pas. Là, tu dois faire ton retour. Le truc là-bas, je me dis tiens. Ouais, ouais, mais comme je voyais. Puis je vois le machin jaune, les gars. Je voyais que tu partais là, donc. Ouais, ouais, ouais. Merci. Jean-Luc. Ah, une belle vue là sur le circuit. Ouais. Ok, donc on visualise. Bon. Ancien info, Fox Novembre Lima, on est prêt au décollage 28. Novembre Lima, 190 degrés 12 nœuds, rappelez quittant la zone et pour info au sud de Nancy, pont Saint-Vincent, TF. 190 de 12 nœuds, on rappellera donc en sortie de zone pour info, donc on va monter vers le nord, vous pouvez être sorti par écho, donc en circuit de piste on passera de 1800 à 2300 et on sortira sur le pain de sucre. Novembre Lima, c'est bien noté, donc aucun problème pour vous, rappelez quittant. Je rappelle quittant, Fox Novembre Lima, on décolle. Papa. Voilà. Allons plancher. Lance. Pas d'alarme. Le badin est. 40 nœuds, 50 nœuds. 56. C'est un faux le sommet 54, bonjour. Sommet 54, bonjour. Allez, on va allez, bonjour, on décollage de centrale, 4 personnes à bord. Prise de tempo 020 vers la région de Charmée. Les derniers partenaires sont 54, 190 degrés, 12 nœuds, QNH 1017, rappel quittant. 190, 12 nœuds, 1017, QNH, on rappelle en quittant pour le sommet 54. On regarde, hop, 70 nœuds, on grimpe. Ouais, on est à 600 pieds.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais virer au-dessus de l'eau. Bon, alors, bonne prime. Alors, on est 80 nœuds. Voilà. On va bien se faire pousser. Ouais, donc on est parti à 33. Voilà, 1700 pieds, tu vois. On est en base, en traversier, pardon. Plus de volée, plus de pompe, pas de réchauffe. J'aurais dû l'enlever un peu plus tôt. Donc là, j'ai un petit peu coupé. Voilà, regarde, on va même avoir du soleil. Voilà, 2200, on est bien. On se met 2500 tours. On prend la vitesse. En 19450, c'était l'autre. Bien sûr, le 54, on est en sortie dans le nord. Fréquence 54, à plus tard. À plus tard, 54. Un peu beaucoup de vent quand même. Donc on est bien au-dessus des tours de piste. Voilà, on est au-dessus de la base. Non, on passe au-dessus de la base. Ouais. Pas personne. Donc là, on est face nord. Et on va par là-bas. Donc en 330, 340. Et on a la ville qui est par là-bas. Et on va la prendre comme ça. Comme ça, en fait on part comme ça pour s'éloigner, ouais. Et ensuite on va chercher plein ouest. Ça va me donner l'occasion de chercher mon point de repère. La Marthe, la Meuse, ouais. Là. Je pense qu'elle est là-bas, tu vois. Ouais. Donc j'ai déjà repéré le truc. Puis on est travers le pain de sucre, là on a quitté le tour de piste. Le plateau, on a les faisaines à gauche, donc c'est bien. On va pas tarder à sortir de la RMZ. Dans le vert. Ok. Alors l'altitude c'était 2300, la sécurité c'était l'altitude 2300 de... L'ancien fond du Fox novembre Lima, en principe je suis juste à la sortie RMZ. Novembre Lima aussi, bon retour monsieur, au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. On est quasiment dans l'axe en fait, tu vois. Bah c'est ça, tiens, la rivière elle est là-bas. Ouais. Tu vois la rivière qui part à gauche? Ouais, c'est là-bas qu'on va.
Alors moi j'avais trouvé un méga point de repère top niveau, sauf que en pratique, quand tu le regardes à la verticale tu le vois, sauf qu'en pratique là, c'est là où je pense, mais il est derrière, dans la butte, on la voit pas. Ouais d'accord. On peut le chercher longtemps. Strasbourg Info du Fox Novembre Lima, bonjour. Fox Novembre Lima, bonjour. Strasbourg Info du Fox Golf Novembre, Novembre Lima, un TR-400, deux personnes à bord. Nous venons de décoller de Nancy SC, Sierra Novembre. On est une minute de écho pour une trajectoire de retour sur Logne, LFPL. En fréquence avec vous, 2500. Fox Novembre Lima, transpondeur 4710, QNH 1016. 4710 affiché au transpondeur de Novembre Lima, 1016 pour le QNH. Mon point de repère, il est où? Bah ça doit être ça, tu sais. Voilà, c'est un gros truc comme ça. Sauf qu'il n'est pas du tout... Mais on est bien haut. Pas d'ambiguïté possible. Donc on va se mettre d'un côté ou de l'autre. On va se mettre sur la forêt. Bah, t'as le choix entre la forêt et la forêt. Ouais. Ça sent d'ailleurs. Donc tu vois, c'était ça mon repère. Ah oui, la grosse usine, non? Ouais. Donc la route suivante, c'est un 255 vers Whisky. Et on passe 45. Donc la prochaine, ça sera 16h50. Voilà. On a dit 255. On a 10 nœuds de la gauche et 14 nœuds de face. Donc tu vois, je t'avais annoncé un 10 nœuds de face à peu près. Ouais. Ça dépend des endroits. 10 nœuds, c'était là-bas. Là, on est beaucoup plus dans l'axe de ce qui était prévu. Donc, ce qui est là, on se le mange plus maintenant. C'est pas grave, c'est la branche la plus courte. Alors... On va couper la ville où elle est le plus court. Et on est sur cette branche là. Bien les panneaux solaires ici. Panneaux? Ah oui. Alors 255, il n'y a plus que 8 nœuds. En principe au départ en gros on suit l'axe par la route, par la rivière en dessous là. Alors il y a un truc amusant là, tu vois cette route qui est là. Ouais. La Nationale 4. Ouais. Et où elle est la Nationale 4? Quand on arrive à Logne, juste à côté, quand on arrive à Logne, on passe au-dessus de la Nationale 4. Exact. Deux, faut compenser un peu. Un sacré champ photovoltaïque. Ouais, ça sent l'ancienne base aérienne aussi, ça. Ouais. Et la configuration. Eh ouais, c'est vrai que ça y a de la surface, là. Donc ça, c'est pareil, on s'en occupe pas. Ah tiens, si. Ah non, j'ai dit whisky, hein, whisky. Alors, l'altitude de vol actuellement c'était 2003, on est au-dessus, c'est bien, ici c'est 2800.
Bon, ben, tu vois, j'aurais bien aimé que la caméra de gauche, elle filme ça, là. Ouais, effectivement. Joli, hein. Donc en gros, en résumé, tant qu'on reste à droite, la Moselle, hein. Tant qu'on reste à droite de la Moselle, on a tout bon. D'accord. Et inévitablement, on va aller là... Alors non, ce ne sera pas elle, on va réintercepter la Meuse. Meuse qu'on a croisée ce matin au-dessus de Montbrun. D'accord. À ce moment-là, elle remontait sud-nord. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on oubliera la Meuse, la Moselle, pardon, on ira chercher la National 4 et celle qui nous amène à Whisky. D'accord. Donc si on voit une grande route par plein ouest, bah, il faut pas hésiter à la suivre. Huit de travers. Un peu regardant les petits reliefs, là ça fait penser un peu à la Champagne. Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Ouais, effectivement, il y a des endroits, ouais. Bah, ça ressemble. Sauf qu'il n'y a pas de vigne dessus. Bon, 2500 tours affichés, 114, 115 nœuds, donc on est dans les paramètres, on est bien. On est en vol horizontal. Donc là, on a la grande ville de... Toul ? Toul, là ? Je sais pas, je suis plus sur un VFR, donc je vais... Ça t'embête pas, c'est cool. C'est pas Tulle. Et en vol horizontal. Bon, donc t'as vu, là. Finalement, il fait plus beau que ce qu'on imaginait. Mais en gros, ça veut dire que ce qu'on a vu passer tout à l'heure, quand on a pris la pluie en arrivant au resto, là, ouais, c'était ce que je voyais pour 16h. 15-16h. Bon, ben écoute, on l'a, comme ça on l'a évité. Ok, Toul. Toul, 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 Toul. Ça plaît bien ces petits reliefs comme ça, c'est vraiment sympa. Non, t'habites en haut, la boulangerie est en bas, c'est dommage. Ah, si tant est qu'il y ait une boulangerie dans un patin comme ça. Tout à fait. Ça, tu fais une bonne marche. Ouais. Ah, cela étant dit, on est loin du village qu'on avait vu quand on était l'an dernier en Auvergne, là. Je crois qu'il y avait 50 ou 60 mètres entre le bas du village et le tout le haut. Wow. Je peux te dire quand on avait fait que ça montait un peu sévère, quoi. Ah ouais, on a vu une enseigne de boulangerie. Le mec, il a eu la bonne idée de se mettre à Millau. Bonjour, info, Dragon 25, bonjour. Bonjour, Dragon 25. Oui, Strasbourg, Dragon 25, on a redécollé secteur Épinal pour Colmar pour un ravitaillement, 4 personnes à bord et on transporte 77-20. Dragon 25, j'ai copié le QNH 1016 et puis rappelé pour quitter la fréquence. 1016, je rappelle pour quitter la fréquence, Dragon 25. Ah, c'est sympa des paysages comme ça. Là. Ah ouais, c'est vraiment génial. C'est mieux que la bouffe, hein. Ouais. C'est juste beau. Alors, quelque chose me dit que là, à gauche, on a l'autoroute, la Nationale 4. Tu la vois devant, là ? Ça devine. Oui. Là, il y a quelque chose qui passe. Ah bah regarde, en bout d'aile. Elle va vers l'ouest. Juste en bout d'aile, en lisière de forêt. Et champ vert, un peu jaune, là même. On la voit passer. Du trafic. Ah, j'ai pas fait gaffe. Vous demande quoi. Ah, on la voit bien ici. Ah. Là-bas, il y a une grande ville. Et je crois que Whisky, c'est sur une grande ville, justement. Enfin, une grande ville, c'est relative. Non, c'est pas sur une grande ville.
En tout cas, Whisky est sur la National 4. Là, je vais l'intercepter un peu tôt là. Tout à l'heure, j'ai tendance à aller un poil à gauche quand même. Voilà. Ouais, ben tu l'interceptes sur ton point là. C'est là. Ah, ils aiment bien les carrières dans le coin. Dans tous les coins. Alors, c'est pas déboissé. Et puis d'un côté et de l'autre, tranquille. Hein. Quelle horreur. Alors, tiens là. Alors, on a dit à 50. On y est dans une minute. Que t'as vu une voie de chemin de fer? Ouais, on est en train de la survoler le long du cours d'eau. D'accord, alors regarde, on est là. On est pile ici. Voie de chemin de fer, cours d'eau. Alors d'accord. Ça, c'est la Meuse. Voilà. Et la Meuse? Meuse, ouais. Bah, elle est toute petite, là. Donc, Whisky est là. Bah, en fait, là, c'est même un canal. Ouais. C'est peut-être plutôt ça, la Meuse. Mais bon, c'est pas grand non plus. Alors on a 16-2. Depuis tout à l'heure, je pensais que c'était ça le Whisky, je sais pas pourquoi. Mais il nous dit qu'on n'est pas encore arrivé dessus. Hein, puisque 2 minutes. 2 minutes, ouais. C'est normal, on a 16-2 de face. Donc tu vois, regarde, on était à 50. Et 50, on devrait être dessus. Et on a le vent de face. Ouais. Bon là j'oublie qu'un petit peu pour pas passer sur le village non plus. Allez, je vais passer à gauche. Dragon 25, pouvez passer à Colmar 119.0. Et du coup les recherches se poursuivent à Épinal? Oui, affirmatif, les recherches se poursuivent à Épinal. Il y a un appareil de l'armée de l'air qui va arriver vers 7h de loup. Nous on fait le plein et on retournera sur zone à l'issue. C'est reçu, ben, tout à l'heure. Tout à l'heure je quitte, je passe avec Colmar. Pas bon leurs commentaires. Hein? On doit être sur Whisky là. Ouais, je pense. Donc il était bien à droite là, il est un peu plus à droite. Ah, et ça doit être ça, non? Bon là c'est juste pour avoir assisté la National 4 et la montée. En parler. Ok, donc on va dire qu'il est 52. La route suivante, c'est 273. On est dans le vert ici, on est dans le vert là. Batterie. Alternateur, c'est bon. Alors, faut que je fasse gaffe parce que j'ai 12 nœuds de gauche là. Ah, on est en train de faire Whisky. Ouais. Quinze nœuds, ça fait 5. Ok, donc là en principe, je prends la route. Degrés en trop, donc je les aligne. Strasbourg Info, off the Juliet, off the Yankee, good afternoon. Voilà. Oscar Juliet, Oscar Yankee, good afternoon, pass your message. Good afternoon sir, Oscar Juliet, off the Yankee is on a VFR flight from Lima Fox for Juliet Yankee donc, to Echo Bravo Bravo Tango, just airborne at Shopley, and request to open my flight plan. 07 en sera à novembre. C'est-à-dire au nord. Oscar Yankee, I will do that. Scope 4710, QNH 1016.
Alors, vu la quantité de forêt de petits champs qu'il y a, on va faire un petit truc qui s'appelle monter. Faire quoi, 3000 3003, 3004. Histoire de prendre un peu de marge, quoi. Sans trop dévier de la route, ça serait bien. Pour le moment, on fuit la Nationale 4, donc là tu vois, on est bien. Ouais, j'ai vu. Ouais. Oscar Yankee, your flight plan is active. Flight plan active, thank you. Oscar, c'est Juliet Oscar Yankee. À Vatry, on verra ça. Ouais, d'accord. On a le temps encore. Ouais. Vingt-sept minutes. Alors, on va en profiter pour observer ce qu'on a devant nous. On a Whisky, on a cette patelin là. On est en plein dans le champ des éoliennes en tout cas. Ouais. Alors là, il va falloir qu'on m'explique un truc. 3140-01, à moins 100 pieds, je bouge pas. Alors il était moins 200 pieds, mais je bouge pas. Ah, c'est que ça pousse. Paul, t'es toujours en décollage. Alors, tiens, on a une antenne sous le nez là. Ah oui, tiens, il y en avait une. Ah ben voilà, celle-là. Je sais où on est là. On arrive là. J'avais calculé l'altitude de sécurité par rapport à celle-ci, domine largement tout le reste. Ouais, ben voilà, c'est bien, maintenant c'est bon, on est comme ça. Ensuite, elle part vers la gauche, tu vois. Non, on la voit là-bas. Donc à partir de maintenant, on oublie la Nationale 4. D'accord. En fait, tu veux te mettre dans une mer profonde, puis la Nationale 4, tu passes à Saint-Dizier, tu restes juste au-dessus de la Nationale 4, Saint-Dizier à ta droite. On repart de ta licence à vrai. T'auras un beau spectacle. Bonjour le Rafale. Qu'est-ce que vous faisiez au-dessus de Saint-Dizier? Eh ben on discute nos copains intermédiaires. Ben ouais, mais le règlement il dit que t'as pas le droit. Ah bon? On va pas venir saluer les copains. Ouais, c'est dommage hein. Bon, la grosse antenne elle arrive. Ouais, elle est là. Donc là on est à l'altitude de sécurité large. C'est bien, restez comme ça Lydia. Ouais, c'est mieux, ouais. Voilà. Donc celle-ci, elle fait 156 pieds. Alors mine de rien, elle est haute, hein. Ouais, ouais. Parce que celle qu'on avait quand on était en vacances en Bretagne, là, on faisait 1000 pieds de haut. De l'armée, ouais. En fait, j'ai trouvé l'info, ce que c'était. C'est une antenne qui a été en 1974 pour les communications avec les sous-marins. Ouais, bah en général, les plus hautes, c'est ça. De toute façon, c'est des grandes ondes. C'est des petites ondes. C'est des petites ondes. Petites ondes. Ondes courtes.
Donc juste derrière l'antenne, on a un patinage jaune. Voilà. Même quand il vole tout seul, que j'ai pas besoin de le toucher. Et qui dit... Attends, le point, c'est... Le point, c'était moi. Là, je monte. Le 173, va falloir remettre un peu d'angle à gauche. On va se faire trimballer. Alors là, heureusement que c'est pas Bébé qui pilote, hein, parce que je dirais qu'il y a un problème. On est pile sur le trait et pile dans l'axe. Ouais, effectivement, là c'est pas possible, un problème. Ouais. Donc toi, c'est la preuve que Bébé n'est pas à bord. Bah, ça m'arrange. Ça t'arrange ? Ouais. Ah bah. C'est beau, là. C'est beau, là. Alors, c'est bien beau de dire, mais 134.3. C'est où le point ? Alors. Tu reconnais le lac là-bas ? Ouais. Bon ben sachant que le lac est là-bas, on sait où est Saint-Dizier. Donc la Nationale 4, on voit qu'il se barre à gauche là-bas. Bon, on la voit qui vire vers le lac là-bas. Quoi, avant le lac, ouais, je la vois. Premier plan, on la voit bien. Ouais, je la vois bien. Oscar, Oscar, Juliet, Oscar Yankee. Ah, Juliet, Oscar Yankee, j'arrête. Oscar Yankee, leaving transport airspace. Have no traffic reported to the boundary. Squawk 7000 and leave frequency, goodbye. Squawk 7000, thank you very much, have a nice Sunday. Ouais. Thank you, you too. Ouais, sans doute, ouais, ouais, ouais. De là, on est passé... Ah bah, de toute façon, y a pas de 36 alternatives, hein. Ça peut être que Bar-le-Duc. Ouais, c'est Bar-le-Duc, c'est sûr. Donc on est de ce côté-ci de la carte, donc je peux pas être comme ça. Dès que t'as une vallée, t'as une grosse ville. À 07, on arrive à Sierra... enfin, novembre, pardon. Donc ça veut dire que pour arriver à novembre, bah, vu que c'est un point, j'allais dire virtuel en gros, t'es entouré parce que c'est pas bonjour, vous. Info du Golf 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 Zulu Oscar, bonjour. Golf Golf Zulu Oscar, bonjour. Bonjour, c'est la 172, 4 personnes à bord en provenance de Sarrebourg, à destination de Sarrebourg, en route et remontée puis jusqu'au rocher de Tabo pour une navigation. Zulu Oscar, reçu, transpondeur 4710, QNH régional 1016. 1016 au QNH, 4710 au transpondeur, merci. Fox Golf, novembre, novembre, Lima. Novembre, Lima, vous écoute. Novembre, Lima, vous êtes à 1 minute 30 de la sortie du SIV Strasbourg, transpondeur 7000 et contacté SEN, information 120 décimal 325. 120 décimales 325 pour Seine, je veux contacter. Au revoir, merci, bonne journée, au revoir. Merci, bon vol. Merci. C'est l'information du Fox Novembre Lima, rebonjour. Fox Novembre Lima, rebonjour, je vous écoute. L'information, le Fox Golf Novembre, Novembre Lima, DR400, toujours deux personnes à bord. Départ de Nancy, Sierra Novembre, direction Logne. Nous sommes libérés par Strasbourg et au nord-nord-est de Saint-Dizier pour entrer en contact avec vous. On fréquente à vous. Roche Novembre Lima, identifié, affiché 3450 au transpondeur et juste la Roméo 6 Alpha à vous signaler pour le transit. 3450 affiché, c'est noté pour la Roméo 6 Alpha, toujours active. C'est bon. Ok. Donc j'avais lu, je crois que c'est marqué 61e régiment d'artillerie. Ah bon? Ouais. Alors on va en profiter pour vérifier. Bon, de toute façon,
quoi il nous le donne, elle est là, mais du tout, on va pas du tout sur... Fox X-ray Oscar, Sam. Fox X-ray Oscar. Allez, poursuivre avec mon collègue sur 134.3, au revoir. 134.3, je passe... je reste sur le 3452. Oui, vous maintenez le transpondeur, il a déjà vos éléments. Tant bien reçu. Merci pour votre aide, au revoir. Il n'y a pas de quoi. Ah, t'as vu, en gros, là, on a récupéré la route, en fait. Ouais. Ouais, on est dessus depuis quelques temps. Ah ouais, je confirme. Et dans 4 minutes sur novembre, 4 et 4, 8, on aura à peine pris du retard. On a que 13, donc toi, m'attendais à 10 nœuds, bon, on a 13 nœuds. Okay. Après, ça dépend de la direction, ça dépend de l'intensité réelle du vent, du niveau. Donc en gros, vu la trajectoire, on a une bonne heure et demie de retour, donc on aura plus d'une heure et demie. Donc comme on a décollé à 33, 18h, 10h, 15 peut-être. Donc on a Saint-Dizier. On n'est pas loin des nuages, hein, mine de rien. On n'est pas très loin. On a le soleil dans la poire. Ouais, ça c'est moins marrant. Métrique, tout est vert. Ça me chauffe le museau là, comme dirait l'autre. Ouais, mais tu le sens tout de suite, hein. Bon ben là c'est bien là-bas ce qu'on voit là, à gauche. Ouais, c'est ce que je me disais. On devine pas beaucoup la piste, mais je vois que ça. Sur les images vers le champ de centre. On va voir le soleil en respectant les nuages. Oh, je suis pas de trafic à vous signaler, vous pouvez quitter, à plus tard. Alors, Donc là, la zone, elle est toujours active, hein. La R6, ouais. On va pas être loin de novembre. C'est d'info de novembre 82 avec Alpha, bonjour. Novembre 182 Québec Alpha, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, novembre 182 Québec Alpha, Cessna 182, provenance Annecy, destination Gamoisel, de personnes à bord. On est stable au 65, on vient de Tecmal. Québec Alpha, c'est copié, non, non, juste la destination, j'ai pas copié, pardon. Ouais, Lima, Fox, Fox, Echo, la destination. C'est copié, vous êtes identifié, transport 3450. 3450 Québec Alpha. On est pile dans le canal là, t'as vu ce matin il y avait un canal qui remontait là. Ouais, là-bas, là. Alors, 23-13-72, poursuivre avec Balinfo 135-850 en bas. Avec Balinfo 135-850-92-72, merci à vous, au revoir. Alors, regarde, on voit l'axe du canal, là, claque, on arrive sur novembre là. Ouais, on est sur ton point là. Je sais pas ce que c'est, mais... Novembre, c'est un point, on va dire virtuel, ultra. h 08, batterie dans 6 minutes on va dire, compte tenu du vent, 17 minutes, ça fait 22, pardon, 8 et 7, ça fait 15, 25. C'est non, Alpha, Alpha pour le 105 après-midi. Alpha, reçu, identifié, rappelé à 30 secondes du largage. Bon, regarde, on appelle avant, Alpha, Alpha, et pour info, c'est le dernier du week-end. C'est copié. Bon, en gros, il n'y a même plus de questions à se poser, là. Ouais, en fait c'est un point de la CTR de Saint-Dizier. D'accord. Ok, alors le point c'est qu'on monte. On sait que le point c'était qu'on descendait, ouais.
Bravo Juliette Novembre, on arrive à la station de vol de la CPR de Saint-Dizier. On a pas de contact avec eux, vous confirmez qu'elle est inactive? Oui, je confirme, mais ils ne sont pas actifs pour le moment. Eh bien, reçu, donc on pourra transiter, on évitera simplement la base de Santos. Après, ça s'affiche. Bon ben c'est facile de naviguer Jean-Luc. Ah bah oui, comme ça oui. Vas-y, je te laisse le manche. Non, prends pas le manche. Non. Ah bon, bah, je sais pas où on va aller alors. Bon ouais, je te laisse faire. On va voir ce qu'il fait. Pareil, prends le vent. À 16 de côté. 15 nœuds, ouais. Il part bien hein, tout de suite. T'as vu, si tu mets pas la dérive, tu vois, tu vas pas au bon endroit. Ouais, par tout contre, tout dès temps. Que t'as affiché une dérive, tac, hop là, voilà. À ouais. Peu près 10 degrés. On a 15 nœuds, facteur de base 0,55. C'est beau, hein, en direct. Hein. Ouais. Alors, je vais essayer de faire ça. On a pile dans l'axe. 262, 16 devant. Un facteur de base de 0,55, je vous laisse calculer. En tout cas, on voit qu'on compense bien. Donc on vole en crabe. C'est ça. Pour ceux qui découvrent les vidéos de vol. Alors, des châteaux en bas. Alors, on a une voie de chemin de fer. Oh, regarde, on est déjà là. T'as vu la voie de chemin de fer? Ah, on est passé tout à l'heure, hein, j'ai pas vu. On retrouve la Nationale 4 quelque part à... non, c'est pas la Nationale. Non, il y a une route, mais je pense pas que ça soit la N4. Possible. Elle va aller à elle droite. Quelque part, ah, par si, peut-être. Ici, bah, c'est elle. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, parce qu'il passe après Saint. Ouais, on retrouve la Nationale. Non, ça, c'est une départementale. Non, c'est pas ça. Non, c'est une départementale, ça. Donc là-bas on a Vitry-le-François. On a LFSK. On est symétrique, on est dans le vert. Pas de voyant, pas d'alarme. Le passager va bien? Il va bien. Le pilote il s'endort. Pas grave. Donc droit devant nous, on a plein d'éoliennes. Ouais. Et non, c'est matrice d'éoliennes. Ok. Et quand on est derrière les éoliennes, on est sur matrice. Donc en gros, au niveau des éoliennes, il faut qu'on soit au minimum 2500. Non, il n'y a pas de... À quel moment on va repasser? Ouais, ben je vais en 20. Et donc démonstration, on avait pris la bonne dérive et hop, la flèche part à droite. Bon, je m'en suis rendu compte rapidement, donc on a un peu le temps de sortir de l'axe. Ouais. On est proche. Alors, on va regarder exactement quelle est la pour 12-9. 7 Québec 400, on va descendre, ils vont passer sous les deux âges. Répétez la dernière. Ouais, Québec 400, on va descendre pour passer sous les nuages. Pas de soucis, Québec Alpha, que l'âge c'est déjà 1015. Passe-le, 12-9. Je suis en avant, passe avec mon collègue 134, décimal 3, au revoir. Avec le collègue 134 décimal 3, merci, au revoir. Donc en fait on n'est pas tout à fait sur l'axe de la trajectoire, mais on est parallèle au revoir. On doit avoir un quart de nautique d'écart. En tout cas par rapport au plan de vol, j'ai dessus. Ouais. Ah non, bon, on est juste. Faire du trip,
Ouais, légèrement décalé, mais voilà. De François. Passe juste au nord. Alors le tir. Ouais. C'est ça. Le terrain, on l'a loupé, il était. Que j'ai un vol où on passe, justement c'est un des vols dont je te parlais, une des boucles. D'accord. On fait passer à Vitry, ouais, François. Ouais. C'est un grand tour par l'est en fait. Ça peut très bien être le prochain vol quand on sortira. Alors là on a des petites Blanche, c'est combien? C'est point blanc. Une de survol minimum. Bah quoi? Quand on a ça sur la carte. Ah ça je sais pas, je connais pas les codes. Oui. Je sais que selon la couleur c'est différent, mais ça n'est pas le cas. C'est que c'est qu'une blanche. L'endroit être comme ça, c'est pour ça que je me méfie. Et en fait là c'est une blanche. Comprendre. Le sol par ici. Aux environs de combien? 270. On est haut. Alors là, bon, on voit que j'ai complètement la dérive d'homme parce que je voulais pas y aller plus. Ouais. Ben ça redevient plat là. Bon alors dernière chose jolie à droite. Pas ouais. Profiter parce que ouais. Ça va être furieusement pas intéressant. Bon, sachant qu'après Vatry il y a quand même un château à voir. Et pas dans le bazar donc. On peut très bien passer à côté sans le voir. Manque de couleur quand même. C'est des seuls moments où ça manque de couleur. Encore que c'est pas trop laid là. Ouais ça va. Il y a des choses à faire. Et quand t'actives ton transfert là? Vatry on avait dit. Vatry, d'accord. Mais disons que derrière on a plus d'une heure dans le réservoir. Donc faudrait attendre à avoir une heure moteur en fait en pratique. Donc dans un quart d'heure on devrait être aux environs de Vatry. On aura ça. Et on regardera quand on sera à PK, hop, on arrêtera. Donc l'avion qui arrivera pour le prochain, il aura déjà quasiment le plein à l'avant et. De réserve arrière. Ouais, ben Vatry c'est dans 5-7 minutes. Ouais, c'est sympa. 3200, je suis bien, 3200, ça me plaît bien. Je pense pas compliqué, soit on prend 3200, soit on prend 50 pieds et on passe entre les éoliennes. Donc on va rester à 3200. Ouais, je pense. En fait, c'est jouable. Hein. C'est jouable. Tout est jouable. Fox Juliette Novembre, c'est. Elle tourne pas. Juliette Novembre. Eh bien, vous êtes bientôt en sortie en 3 minutes. C'est trafic à vous, je propose de passer 0300 et de quitter la fréquence Strasbourg 119.45 pour la suite. Au revoir. Correct, bah écoutez, on quitte la fréquence et on va poursuivre direct vers les gens. On va contacter Etain. Merci beaucoup pour les infos. Bonne journée. Il n'y a pas de quoi. Bon retour. Ah, tiens, regarde. Je vois Vatry. Ouais, je le devine, ouais. Ouais, ouais. Il y a une zone noire avec une espèce de flaque d'eau à droite, une zone noire. Ouais, 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 ouais. Derrière une zone claire. Ouais, ouais. Et on est à une minute de passer dans la CTR. Voilà. La R6 doit être quelque chose qui est par là. Le rond qui intercepte la CTR. Alors là on a le nez pile dessus là. 5 minutes, je regarde. La flèche c'est 5 minutes. Alors on vient de le vérifier. Alors quelle est la grande ville au nord de Vatry? Il y aurait Reims, bien au nord. Pernay aussi dans le secteur.
Envolement plutôt est perdu. C'est le Delta Sierra, remonté pour le 135. Delta Sierra reçu pour le 135, appelé à 30 secondes du largage. À la 30 secondes. On aurait perdu donc. Plus par là. Ah là c'est sûr, c'est Chalon en Champagne. Ouais, ouais, ouais. Plus sur les avant là-bas, faut avoir passé Vatry. Bon alors je vais mettre carrément côté droit, côté gauche pardon, pour avoir le. Avoir le terrain à droite. Faire de filmer quelque chose quand même. Bah, la National 4 elle est toujours là. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà le ciel bleu. Ah, pour la première fois de la journée. Ouais. Alors la route suivante, ça sera du 270 pile poil. En fait, ce qu'on va chercher, nous, c'est ça, là. Le petit château qui est dit. Donc le seul point de repère qu'on a, ou le panable, on va dire. Ah, bah, si tu te souviens, l'autre jour, quand on était rentré une fois de l'est, nord-est, on avait un étang qui était tout en ligne droite, comme ça. C'est possible. Ah. Bon, ben, c'est celui-là. D'accord. Donc quand on passera au droit, au sud de cet étang-là, pas qu'on essaye de trouver cette route. On est au-dessus de la forêt. Donc le château il est quelque part en sortie. Ah, oui. En pratique il y a un tout petit relief. Bon. Donc le château il a 700 pieds. L'autorité c'est 1700. Donc à partir du moment où on a sorti, on est sorti de terre, on peut descendre. Donner un peu de chance de voir le truc. Tiens, regarde à gauche là. Ouais, le champ militaire, non, on le voit bien là. Ouais. Super bien éclairé. Tu veux faire une petite photo s'il te plaît? Ah. Bon, donc, je vais virer ça parce que de toute façon ça. Mais il fait ce qu'il veut. À gauche. C'est ça la R6. Charlie Alpha, 2 minutes largage prenez. Oh, je suis pas de trafic à vous signaler, rappelez en descente. Pas de descente, Charlie Alpha. Aux avions. Ouais, il y en a un, c'est tout. Pas grand monde le week-end. Scène du Fresher Mix 85-29. Ouais, non, bon. C'est une base militaire. Fresher Mix 85-29, ouais. Bonjour, je vous écoute. Le Fresher Mix 85-29 à un hélicoptère NH90, nous sommes sous plan de vol, provenance Montauban, destination Étain, nous arrivons sud de 3 pour une combien de kilomètres 3200 et 0333 là. Fresher Mix 85-29, reçu, identifié, affiché 3450 au transpondeur.
34-50 transpondeur pour le 459. Hop là. Ah bah il se passe quelque chose dans le vol, disons. Bah quoi? On torgue. Ouais, ouais, j'ai vu. Torguer c'est plutôt comme ça, non? Enfin, en avion en tout cas. Bon, alors on est vertical. Pas compliqué, on a une route plein. Alors, à quelle heure il est? 24-23. Heure 23, on va dire au 30... 32. 32, on sera sur le château. Donc là, je vais prendre un 270, donc je compense. Puis je fais pas gaffe parce que j'ai pas de tonne comme route. Hein. Donc là, le point de repère qu'il faut chercher, c'est une grande, grande barre, un grand étang à droite. Tendu, c'est que j'en vois un à gauche, mais ça doit pas être le même. Ah bah non, c'est celui qui est là. Et là aussi, je me rappelle une fois, on avait fait un vol en Champagne, en revenant. Là, on le voyait. Donc là, bas, à droite, c'est la Champagne. Hein. Pas ouais. Bon, chalon en Champagne, donc c'est clair. Ouais, on ouais. peut avancer. Deux yeux, on avait déjà quand même volé quelques fois, on reconnaît bien là. Ah là, tu vois les pentes avec les vignes, là. Ouais, ouais, ouais. Attends. Cela étant dit, on a un point de repère. Le premier, par contre là, ah ben oui, je me disais, ben attends, on n'avance pas là. On regarde, 22 de face. Ah oui. T'avais dit 20 transfert. 20 transfert, forcé. Alors on regarde, il est dans une heure, ouais c'est ça. On regarde, on a consommé. Donc on avait 110 litres, on a consommé une heure, un peu plus, on a perdu 30-35. Donc là maintenant il faut surveiller celui-ci quand il revient là, hop. Ouais, ok. Donc on vient de passer le point tournant, c'est... température elle est bonne, l'internateur il est ok, on a assez de temps pour rentrer à Logne, on est presque. Donc ça c'est terre champenoise. À quel moment là tu vas devoir redescendre? On a franchi les lignes bleues. D'accord. On a franchi les lignes bleues. Un peu de bol, on aura moins de vent de face. Donc. Ah. Alors ben là on est pile au sud des Pernets, dont je te parlais tout à l'heure. Je remonte pile au nord là. Monte sur Épernay. Dans l'axe de l'aile. Non, Épernay est encore un peu après. Un peu après. Et là, et Pernay là. Non, c'est pas lui avec le terrain. Ah, tu parlais du terrain. Oui, ah oui. On descend tranquille pour éclosurer la zone. Merci pour le service du week-end. Bonne soirée, à la prochaine. Charlie Alpha, vous pouvez quitter la fréquence et à la prochaine, bonne soirée. Ok, donc là on est au nord du terrain. Au nord du point. Charlie Alpha, vous avez pris? Ah, bah c'est bien pris, merci, à la prochaine. À la prochaine. Ça sera
Delta Sierra, pas de trafic à vous signaler pour le largage, rappel en descente. Info du novembre Lima, j'écoute. On est en sortie de zone, il me semble, non? Vous pouvez rester encore avec moi quelques instants. J'ai reçu, on reste avec vous, en fait. Voilà, on sort de la session. On est au-dessus là. Novembre Québec Alpha. On est au-dessus. Québec Alpha. Je passe avec mon collègue sur 134 décimal 3, au revoir. 134.3 avec votre collègue, Québec Alpha. Donc ça, c'est... D'accord. On ne pas jusqu'à 28 là. Ouais, non. 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 Je vois qu'on a le vent derrière. Hein. Ouais, ça peut aider. Alors, je cherche. Pas tout à fait ce que je pensais, mais... Gauche, on a... Ouais... On a les forêts qui sont ici. Voilà, tu regardes pas. On voit bien la forme de la forêt, là. Un dévasement à gauche. Là, l'autre là. Donc en gros, la forêt qui est là devant, là, faut que je la prenne comme ça, dans l'axe. D'accord. Et on va descendre 2000 pieds pour commencer. Send du Fox Alpha Golf, bonjour. Fox Alpha Golf, bonjour, j'ai des éléments à le contact pour tuer. On poursuit Fox Alpha Golf, merci. Sachant que même sur cette carte, je l'ai positionné... Bon comme j'ai bu. Donc en fait, un peu plus fin d'axe. On est dans l'axe. Donc on vient de passer celui de gauche, on vient de passer celui-ci, on a l'autre plutôt à droite là, voilà. Donc là on est... Normalement il y a une route qui fait nord-sud. Un est à gauche, tiens on voit le terrain de Cézanne juste à gauche là. Joli champ de coquelicot là, magnifique. Ouais. 2004. Center 670, Quebec Sierra, flight level 80, direct Tango, Romeo Oscar. On est à 2 minutes. Bon, Quebec Sierra, bonjour, Maiden Shuttle 80, direct Écurie. Maintain Decimal, or maintain 80, direct Écurie. 670, Quebec Sierra. Passant ton point de repère là? Ah, je sais pas, je peux pas te dire. Ah non, c'est pas celui qui est en dessous là. Ah, parce qu'il y a une tour là. Ouais, ouais, non, c'est vraiment un château. Enfin, quelque chose qui ressemble à un château. Je sais pas à quoi ça correspond cette tour, mais c'est original. Ouais. On va filmer ça. On est 2300 pieds. Moi, je sais pas qu'on va y rester parce qu'on n'est pas loin au-dessus des étoiles. Hein. Ok, 2300 pieds, on remet 2500 tours. Alors, elle est en dessous là. Delta Sierra, vous êtes en descente. Oui, Delta Sierra, pour vous. Je suis à tout à l'heure. Ah, c'est bien, là. Le problème, c'est que je peux pas la filmer. J'ai pas du tout ce que c'est, mais... Alors, à mon avis, le château... Je pars dans les Patnas, pas Patnas, pas loin. Ah tiens, voilà, regarde. Le château, il doit être quelque part en dessous dans la forêt, là. D'accord. Il y a une route, là, qui est droite-gauche. On y arrive dessus dans une minute. Donc le château, bah, je crois que j'ai un visuel. Ouais, c'est ça, il est là.
vois les arbres, là t'as une petite surface dans la forêt, à la sortie de la forêt. Bah ouais, ouais, il le voit là-bas, ouais. Marron. Ouais. Bon, ben le château, il est à droite. Ouais, on le voit. Donc tu vois, j'étais pas loin tout à l'heure, j'ai vu ces espaces de forêt là, c'était ça. Bon, c'est monument de la première bataille de là. Eh, ah, d'accord. J'en sais pas plus. De la grand château là. Ah, il est là. Ah oui, d'accord. Bon. Attends, je m'éloigne un peu. Ah, c'est bon là, je pense. Pas sûr. Ah bon? C'est pas... voilà. Comme ça, tu vois, ça me permet de faire un peu comme un virage. Voilà. On le voit. Et il est 34. Youhou! Bon, ben c'est un château, hein? C'est un château. Ouais, un vrai du château. Ouais. Un vrai. Ok, 1980, puis on est au-dessus de l'autorité. Alors, maintenant, on va récupérer l'axe. L'île pour aller à Pékin. Donc j'ai 34 ans. Coulo, ça fait 8,48. Donc 2500 tours, 2000. De sécurité 1700 pieds. Bonjour, Fox Kilo, il est pas. Tu remontes toi? Ouais, ouais. Pour voir loin. Ok, bon là je m'aide. Ah, mais bon. Bonjour, Kilo, il est pas. On a passé notre point, on a les champs d'éoliennes qui sont là. La route, normalement, c'est du 275, 22 à gauche, donc ça fait 10 degrés. 265, on est parallèle. On se remet bien 2500. On a le point tournant, tout est dans le vert. Il veut qu'on reste avec lui alors. Sierra Fox, j'écoute. Approuvé Sierra Fox, contacté, tour 124 oui, décimales 4. Ouais. Hein. 7000. Et dommage, c'est qu'en photo, ça donne en France. Vous êtes à Poitiers Info, si vous souhaitez 124 décimales 0, au revoir. Zulu Hotel, je passe à 124 décimales 0, au revoir. Bonjour pour Kilo Uniforme. Kilo Uniforme, bonjour. 7000 au transpondeur, c'est un P40, Fox Alpha Zulu, Kilo Uniforme. On arrive de Cap, à destination Pelin. 3200 pieds de pilonnage, c'est 7000 au transpondeur. Roti Fox Alpha Zulu Kilo Uniforme, transpondeur 7055. Non, pas ça. 7055 Kilo Uniforme. Bon, on y aille. Ouais. Éolienne, tu vois, hop, il est juste après, il y a la ville. Bon, Mirail. D'accord. Fox Nombre Lima en sortie, transpondeur 7000, quittez la fréquence et Paris Info si vous le souhaitez. 126 unités, au revoir. C'est bien reçu, merci. Bonne fin de journée, monsieur, au revoir. Attends, 182 Québec Alpha, vous n'oubliez pas la classe Alpha, elle dans 7 minutes, 3500 pieds max, QNH 1015. Paris Information du Fox Novembre Lima, rebonjour. Fox Novembre Lima, Paris, rebonjour. Paris Information, le Fox Golf Novembre Lima, DR400, deux personnes à bord. Nous sommes partis de Nancy, retour sur Logne, nous sommes libérés par Seine. On passe en fréquence avec vous, 2450 pieds, VFR, VFR, 7000. Novembre Lima, affiché 70-21, 2 unités.
70-21 fichés pour novembre Lima. Et novembre Lima, à présent, vous êtes identifié là. Reçu, merci. Alors, il y a Fox, Fox novembre Delta pour quitter. Donc, ouais, Delta pour quitter, affiché 7000 euros. 7000 de quitter, merci avant. Au revoir. Donc là, on est ici. Hein. On est là. Ah, 3005 encore. Donc 2400, 2500, c'est bien. On est dans le jardin, mais je me suis rendu compte à plus d'une occasion, c'est que tu peux vite te perdre en fait. Ah bah ça. Ta carte, mine de rien. Petit appui de rien du tout, mais comme il faut au moment où il faut, c'est bien. Ah, tu peux les chercher les points de repère, hein. Il n'y en a pas des masses. Ah ben là, ouais, c'est... Ah, je veux l'autoroute à 4 au front, là-bas. Ouais. Donc c'est devant Alpha, Paris. Devant Alpha. Dans vos 1 heure pour 2 nautiques, vous avez le Rome Uniforme qui a la même route, il est 500 pieds bas. C'est bien pris, normalement, Alpha, on n'a pas visuel. Rome Uniforme, Paris. J'écoute, faut que je forme uniforme. Norme Alpha est dans vos 9h, 9h10, dans vos 8h plutôt, pour 2 nautiques, il est même cap que vous, 500 pieds haut. On surveille, faut que je forme uniforme. Et visuel, faut que je forme uniforme. On reçu, Norme Alpha, Norme Uniforme vous voit. Je crois qu'on a visuel également, Norme Alpha. On reçu. Par exemple, de Fox Tango Uniforme, on remonte à 2000 pieds QNH. Ouais. Eux, ils sont peut-être donc sur le plus. Donc, uniforme 2000 pieds QNH, à comment vous assurez votre séparation. 2000 pieds QNH, Fox Tango Uniforme, merci. Là-bas, t'as vu, ça tombe un petit peu, on dirait. Ouais, ouais, c'est ce que je disais, ça sous la pluie, probablement. Ouais. Ils étaient annoncés du skater. Tango Uniforme Paris. Tango okay. Uniforme, j'écoute. Oui, c'est à présent contacté SEN sur 120 décimales 325 et affiché 7000. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein. 7000 en transpondeur et je contacte 120 décimales 325. Merci à vous, bonne soirée. Tango Uniforme. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. Bon, le vent de face, finalement, c'est bien. Ça nous, vole, ça nous permet de voler plus longtemps. La prorogation, c'est bien. C'est sûr, c'est sûr. 1 minute ici, 1 minute là. Parce que c'est peut-être les rayons du soleil qui font ça aussi. Ouais, mais bon... Je sais pas. Ça m'a l'air quand même un peu plus chargé, là. Et les nuages sont bien noirs. Ah ben par contre, là-bas, oui, c'est pour ça que je me disais que... Non, je pense qu'ils se prennent de l'eau, là. Fierté gaucher là que ça m'étonnerait pas. Ah oui, il y a les hangars là-bas. Juste la ville qui est à gauche là. Si ce n'est pas encore passé mon mirail, ça serait esterné. Vu qu'on a passé mon mirail. On sent le, la nave aller et la nave retour, ça va pas être dommage quoi. Hein. Ouais, pas de doute, il y a le terrain qui est à gauche. On voit le karting, enfin le karting, le terrain de voiture là. Ah oui, d'accord, oui, oui, je l'avais pas vu, je le cherchais mais je l'avais pas vu. Là, je le vois. Devant nous, droit dans l'axe, c'est bien le terrain de couloir.
Alors là, il doit être à 7 minutes. 7 minutes 34. Bon, voilà, on va faire un truc histoire de voir. On est 2343, on a 19 nœuds. On va enlever 100 tours pour descendre un petit peu, on va prendre trop de vitesse. On verra. On est grand speed, ah, on est quand même 110 nœuds grand speed. Ah ouais. Ouais, on marque, oui, 110 nœuds, 15 nœuds. Ouais, c'est pas mathématique, mais bon, c'est pas loin. 2400. T'as dit qu'on freinait. On descendait. Ouais, je parle, je descends et j'ai 21 nœuds maintenant. Je cherchais combien là? Oh, 1900. Ah, ils se prennent de la flotte. Chaussée du côté de Château-Thierry. Alors Château-Thierry. Non, Château-Thierry il est plus à droite là-bas. Là c'est plutôt la Ferté-Sougeoire et tout ça. C'est ça, ouais. Ah quoi que Château-Thierry est Fanal. Fox devant Alpha Paris. Devant Alpha. 11h pronostic, aéronef cap sur vous, il est 500 pieds haut en descente. 1900. On n'a pas visuel, on n'a rien perdu. Ah, par contre, ce qu'on voit là, ça doit être le terrain vraiment. Juste dans l'axe là. Oui, juste dans l'axe. Ouais. Devant Alpha, il est à 2 nautiques, bientôt 1 nautique dans vos 11h, toujours 500 pieds haut, il continue à descendre. Et après, dans le moins temps, on va faire un demi-tour par la gauche. Il est 400 pieds haut maintenant, 1 nautique. Ah, il n'y a pas de doute, hein, c'est le terrain. Bon, le temps va visuel. Ah, ok. Fox Romeo Uniforme Paris. J'écoute Fox Romeo Uniforme. Vous allez poursuivre jusqu'à où? On va poursuivre encore 2-3 minutes dans cette direction et après on va rentrer sur l'axe. Alors si vous restez avec moi alors. On reste avec vous Fox Romeo Uniforme. Information du novembre Lima. Novembre Lima, vous êtes sur la fréquence de Paris. Oui, pardon, Paris information du novembre Lima. Nous sommes 3 minutes 30 de Coulomiers en visuel, on veut passer en fréquence avec eux, histoire de vérifier qu'il n'y a pas trop de trafic dans le secteur. Non, on y va passer avec Coulomiers, 7000, au revoir. 7000 avec Coulomiers, au revoir, bonne fin de journée monsieur. Également, merci. Coulomiers du Fox Novembre Lima, bonjour. Coulomiers Fox Golf Novembre Lima, dire 400, nous sommes 1900 pieds à 3 minutes est du terrain visuel sur les installations. Nous passons au nord des installations, direction Logne. Pas de trafic en vue. Bon, là je crois que la carte ne sert à rien. Tenez le quartier. Ouais. Alors, allez, on va faire un truc. Je me demandais par où on allait rentrer, j'ai dit bon on verra bien le moment venu. Là à droite, il y a moins de soleil. On va aller à droite. Regarde, là-bas on a UT là. Ouais. Alors par contre, hein, faut quand même faire gaffe. Parce que là, les 1500 pieds, elle est... Bon. Donc il vaut mieux descendre un petit peu. Tour de piste, il est 1200 pieds, donc on va rester 1700 dans le nord du circuit. Bonne face. Eh ben, ah ben on se rapproche du sol, hein. Ah ouais, mais bon, on sent la différence, on bute pipe.
Il y a quand même 22 là. 22 comme ça et 16 nœuds comme ça. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. On se fait secouer comme un... Alors attends voir le circuit. Le papa novembre, montez en vente arrière pour la 09. Non, la base pardon. Colonie du Fosse, novembre Lima, 1700 pieds, nous sommes à bon nautique au nord des terrains. De travers. Donc là on a le circuit qui passe par là entre les deux fermes. Donc on est à 500-600 mètres au nord. Donc on verse sur l'autoroute. Ok. Comme ça on sera à l'ombre. Ouais, dis donc là t'as vu c'est chat. Ouais là-bas ça tombe, c'est sûr. On va vérifier. Non. Ah, tu me demandes, je te dis non. Est-ce que je veux finalement? Alors t'as dit c'est le commandant de bord qui décide. Ouais. Bon. Tant pis. Pas personne. Vincent, c'est la ligne rouge là. Ah, tu lui perds pas en vent. Ah non, pas un iota. Donc là on a créé la chapelle à gauche. Au lieu de passer à droite, pour une fois on va passer à gauche. On filmera pas, c'est moi qui vais le regarder. Hop. 500. Bon. Colombier, Fox, novembre, Lima, on est passé, on a une nord-ouest d'installation, on converge sur l'autoroute, on quitte la fréquence, au revoir. L'autoroute elle est là. Et là-bas. On descend gentiment à 1200 pieds. On regarde s'il n'y a personne qui sort. Donc Charlie Oscar, au passing Aeroflight, on quitte, au revoir. Ah, c'est beau là-bas. Oh oui oui oui. Ah là, 1220. Bon. On se fait tabasser. Ouais, c'est à ce coup bien là. Bon, tu reconnais l'autoroute là? Ouais, y a pas de problème. L'un est de Fox X-ray Kilo, en fin de vente arrière pour en toucher 20 coupures. Donc on l'a passé à 52. Même à 50 d'ailleurs. Voilà. Alors on a plus de... Même les champs ils font la gueule avec le vent, la vache, il y a des endroits...
23 kg, on s'axe sur la gazonnée pour un toucher. Bon, ben le PA, j'en ai rentré à la maison, il n'y a pas de doute, hein. Ouais. Ben, il ressemble. On attend 3 semaines avant de voler à nouveau. Écoute, on croise les doigts. Personne sur la fréquence, marqué à 18h, tu vas me dire. Ouais, c'est étonnant. Et bon, c'est dimanche, ils se sont dit bon, on va rentrer, on va voir la tranche de l'autoroute à 4. Pas de remarque, là, pour le moment, c'est clair. À part, ça va pas durer. Un toucher, là, on n'a rien entendu. Hein. Ouais. Bonne information du Fox Novembre Lima, rebonjour. Information Fox Golf novembre Lima Air 400, retour sur Logne, nous sommes à 3 minutes 30 d'écho, on rappelle écho. C'était Disney aussi. Et ah, ouais. Non. Un parc de... Avant ah bon. Non, ça n'a rien à voir avec Disney. Ouais, c'est jouant. Ah oui, non, Lévi Croquette, il est de l'autre côté. Un parc sportif ou quelque chose comme ça, là. Entre parc, village, nature. Village, nature. Ça construit et ça construit et ça on se met sur le tout. Voilà, donc on rentre à Londres, là c'est bien là. Ça sera une direct. Eh ben non, on peut pas. Retour information, on reprend l'œil, hop, on monte 1500 pieds vertical. Ah, on doit refaire le tour. Ouais. Ça, c'est vraiment pour le fun. Ah, on gagne 5 minutes là, 4 minutes de vol facile. Le bonheur est dans les airs, Jean-Luc. Ouais. Dans le pré aussi, mais dans les airs surtout. La forêt. On a l'impression d'être en ras-de-bol dessus. Ouais. Bon ben y a personne qui vole là ce soir. Bon. Autant ce matin c'était la folie furieuse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y en avait de tous les côtés. Ah, il n'arrête pas de construire dans le coin, c'est infernal. Bonne information, Fox Novembre Lima, on passe écho, on rencontre un peu 1500 pieds vertical terrain pour une intégration dans le circuit en 26 en droite. Ah, tu vois, c'est tellement puissant. De Fox 5 kg, en début de vent arrière pour en toucher 20 gazonnés. Reçu pour novembre Lima pour les débuts de vent arrière. C'est
22 de face. Remarque, il y avait des ordres de 15-20 nœuds, je crois, pour l'atterrissage au sol. Oh, pardon ? Avec des rafales à 25. Ouais. En prévision, là. Tu vas faire la dure ou la gazonnée ? La dure. Presque déçu, dis donc. De quoi? Bah qu'il y a aussi peu de monde. C'est fort quand t'arrives, tu dis à droite, à gauche, ah ouais. Au milieu, là. Ah. Surtout à cette heure-là, d'habitude, hein, il y a beaucoup plus de trafic. Par contre, l'autoroute A4 est limite. Hop là. Ah. Elle est un peu chargée, l'autoroute A4. Je sens que tu vas me faire rentrer tout à l'heure, toi. Ben là, oui. Bonne information, Fox Novembre Lima, 1500 pieds vertical, tirant 25 degrés en début de vent arrière, 26 points complets sur la ligne en point. Alors il est où le damier ? La pompe ? Damien Faux, Fox Novembre Alpha. 0-0 la verticale. 4 minutes, 8 points écho, 1200 pieds, on rappellera un point écho. 0-0 pour Novembre Lima. Vu qu'il n'y avait personne, on aurait même pu s'intégrer en milieu de vent arrière. C'est vraiment là. Le sentier, on est déjà à hauteur du terrain. Jean Fox en Brelima début dans arrière, 26 pour un complet sur la dure. On a la pompe, on a la chauffe, on est encore trop rapide. Oh. On en passe en dessous de 82. On s'est tabassé, on a 20 nœuds de droite. Hop, un premier cran. On tourne, on cherche 80 nœuds. Donc on pense les nœuds de droite. Voilà. Nœuds de droite. Là. Ouais. Donc le volet sorti, un cran, la pompe, la réchauffe. Dernière formation, Fox Novembre Lima, on arrive en fin de vent arrière pour un complet sur la 26 dure, on rappelle le final 26. Le vent il nous fait. Well...
difficulté sévère. Ouais. Et bonne tension, tempiévité, 83 nœuds. Bride 2, 80 nœuds, voilà. Axe. Le cran de lait, la pompe, la réchauffe, on est en fond. C'est trop rapide. Bonne information, Fox Novembre Lima, établi final pour un complet 26 heures. 3 nœuds, alors là on va chercher le 15 nœuds. Prendre 15 nœuds, on avance. On va reculer. Fox Novembre Alpha au point Echo 1200 pieds, on monte sur la verticale 1500 pieds et rappel en verticale. Le vent quasiment dans l'axe de piste. Non, on ne va pas s'enfoncer. Ça se passe. Allô. 36 nœuds, on risque quand même. Parce que franchement... Fox X-ray Kilo en 20 arrière, 26 gazonnés pour en toucher. Ouais, pas mécontent là. Ouais, parce que ça se couait bien là, franchement. Trop simple, c'est trop simple. Bonne information, 26 dur dégagé novembre du barreau, le quitte à sa ligne. Bonne info du Fox Golf India, Arnaud, Victor Rochon. La pompe, la réchauffe. Bonne info du Fox Renault Victor, Inter 28, deux personnes à bord au parking Lyonnais, on roule via Tombeau 2, ensuite novembre pour le point d'attente de la piste 26 dur. Bon alors, c'est un radio. Bonne information, bonjour, Fox Bob Uniforme Papa Alpha. Fox Papa Alpha, DR400 parking Paris Aéro. Nous roulons point d'attente la piste 26 dur via Tango 2 depuis novembre. Fox X-ray Kilo en base pour un toucher 26 gazonné. Bush. Fox Novembre Alpha, au vertical des installations 1500 pieds, je me reporte en vente arrière 1200 pieds. En début de vente arrière, 26 heures, Fox Novembre Alpha. Bonne information, Novembre Lima, parking Stadion. Au revoir, bonne fin de journée, bon vol à tous. Alors, Fox X-ray Kilo. On tire, on éteint, on tire, clac, et on monte. Et on se coupe pas trop la caméra. Ouais. Alors monsieur Jean-Luc, ce vol de retour. Chaloupé. Chaloupé à la fin, ouais. C'était pas mal. Ouais, effectivement. C'était pas mal du tout. Ouais. Intéressant. T'as bien géré, mais ouais. Putain, c'était chaloupé. Ouais, c'était intéressant. Alors franchement, ça m'a bien plu. C'est pas souvent avec un vent de face autant que ça, c'est même une des rares fois. T'as vu comment ça te prend dans les virages? Ah bah là oui, t'as vu un peu le dernier virage d'un seul coup là, tu vois. Waouh.
Puis en plus de ça, il faisait pas semblant, donc. Non, quand tu vires, et tu offres toute tout ta porte, bah toute ton aide. Oui, non, mais tu le sens, tu le sens immédiatement, là, quand t'es plein vent. Voilà. Ah, joli, c'était bon. Bien, ça m'a bien plu. Mais ouais, sinon, l'atterrissage, t'es impec. Ouais, content. Tu peux. Merci, monsieur. Bon, et ben, on se dit à la prochaine fois, alors. Et ben, on se dit à la prochaine fois. Ouais. Allez, ciao. À bientôt.